Allez, bonjour tout le monde, comme d'habitude, le bonjour. Et c'est Yakipon pour Ivasan Studio. Et aujourd'hui, on va commencer une aventure sur Ori and the Blind Forest. Alors oui, vous allez me dire, mais tu l'avais déjà fait, c'est pas cool. Ouais, c'est vrai, je l'avais déjà fait. Mais voilà, comme le relève Jake, c'était pas forcément dans les meilleures conditions. Soyons honnêtes, c'était il y a quelques années, mon PC y galérait, et l'image n'était pas belle, et sur le coup, ben, quand on a tout revu, on était à moitié content. On était content de l'avoir proposé parce que c'était un chouette jeu, et puis ça l'est toujours. Hein. Mais c'est vrai que la qualité, ça nous plaisait pas trop, mais on faisait avec les moyens du bord, hein, comme on dit. Hein. Écoute, c'était comme ça, on n'a pas plus 7. Donc cette fois-ci, ben, on va le présenter en un peu plus joli. Genre vraiment un peu plus joli. Vraiment. Et puis il est pas censé laguer, puis... Tout est censé très bien fonctionner. C'est pour ça qu'on a un PC de compétition, après tout. Les derniers petits réglages, vous allez perdre le son, c'est pas grave, mais c'est pour moi. Toc. Là. Hop. Ouais, ben moi je me sens prêt, je sais pas si vous l'êtes aussi. J'ai oublié quelque chose? Non, je pense pas. Hein. On joue à la manette, donc si vous entendez ma manette s'énerver, c'est moi qui m'énerve aussi, mais c'est pas grave, hein, après tout. Au niveau du son, vous vous sentez bien, tout ça, je dois monter le son du jeu un petit peu ou pas. Il me paraît un peu faible, mais j'ai peur que pendant les phases où il y a des combats et tout ça, il soit un peu fort, au contraire. Qu'est-ce que ce bouton cinéma? Eh bien, en fait, c'est pour voir les vidéos du jeu, et on n'a pas forcément envie de voir ça maintenant. c'est tout ce qui est artwork et tout ça. Je crois que c'est ça, en fait, la version définitive du jeu, si ils ont rajouté ben, tout ce qui est artwork, je sais pas le dire. Donc, les dessins, le making-of et tout ça. Donc oui, on spoil pas, évidemment, ça serait dommage. On est parti. Tout le son va bien, vous êtes content, vous êtes bien installé, petit café, petit thé, petite eau, je sais pas, en fonction des gens. On est bon? On est bon une fois. On est bon deux fois. On est bon trois fois. Eh ben c'est parti. Je prends mon bâton de rando et je te rejoins en forêt. Mais j'avais deux parties. Comment ça se fait? Eh ben on va supprimer celle-là. Non, pas copier. Je voulais supprimer. Oh no. Oh no. Oui. Parce que ça, c'est bon. Et on sélectionne. Et on va en vie unique. Parce que, évidemment... Non, on va jouer en difficile. Parce que je sais jouer au jeu et ça va le faire. Vous inquiétez pas. Allez, c'est parti, scénario. C'est beau, hein. S'il faut que je monte le son, mais non, ça devrait le faire. Allez, on joue le bonhomme pour un petit moment. Nid Hirondelle. Et j'ai oublié son nom, tiens, à lui. Je vais me faire taper sur les doigts, je sens, mais... J'ai oublié le nom de ce personnage. Mince. Pouf. Attention. On ne le connaît pas. Alors... J'ai pas envie de bosser plus que ça, la musique m'envoûte, je reste concentré sur cette œuvre vidéo ludique. Tu fais ce que tu... Ah, c'est Naru, voilà. Il s'appelle Naru. Le bonhomme en noir bleu nuit. On a Naru et Ori. Ori, le petit être blanc que l'on joue maintenant, voilà. C'était Ori and the Blind Forest, merci de nous avoir suivis.
Ok, d'accord, j'arrête. C'est parti. Petite intro, hein, petit prologue. Le jeu est beau. C'est franchement... Même la première fois qu'on l'a fait, il est très beau. Et oui, le niveau qualité vidéo est waouh. J'ai un peu tout mis à fond, hein, soit dit en passant. Et puis après, même, j'ai envie de dire, pour un jeu qui date, allez, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je dirais de plus de 5 ans, je trouve qu'il a pas mal vieilli côté graphique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est, il est quand même très très joli, quoi. Puis la musique est cool, la direction artistique est cool. Donc ce jeu est cool, point. 2015, hein, donc 5-6 ans, j'étais pas si loin, hein. Puis l'histoire et tout, le gameplay, je pense qu'il a été refait, là, tu joues à la version définitive. Oui, c'est vrai. C'était pour profiter des meilleurs graphismes et tout ça. Mais je crois que le truc, entre guillemets, qui change dans la version définitive, c'est qu'il y a une ou deux zones de jeu en plus. Mais je suis pas sûr. Version définitive en 2016. D'accord. En cette si terrible nuit. Où mes flammes embrasèrent le ciel. Où j'appelais Ori de plus belle. J'imagine le mec. Ori! Je crois que Naru il veut pas partager aussi. Non, il veut pas du tout. Et où personne ne me répondait. Attention. Il y a tout qui fane, il y a tout qui devient pas joli. Il n'y a plus de nourriture. Il n'y a plus rien. Tout devient ruine et trépas. Avec les mois qui s'engrainaient, ils étaient en train de s'énerver. Et voilà, c'est comme ça hein, qu'on se chope des sciatiques aussi, et des hernies discales. Quelle idée. Engrainé, pas engrainé. Aïe, aïe, aïe. Je te zute. Non, c'est pas facile, manger un fruit. Mais je suis quand même en PLS. Essayons de poser les mots sur ce que pourrait être Ori comme animal. Est-ce que c'est un chat? Est-ce que c'est un renard? Qu'est-ce que ça pourrait être? Est-ce que c'est un mix? On sait pas. Mais une lueur d'espoir scintilla. Un renard fennec belette. Alors je sais pas où tu vois la belette là-dedans, mais... Pourquoi pas? Il y a des fantômes. Il y a des souvenirs. Ça sent pas très bon. Spoiler alert, sortez les mouchoirs. Un mélange entre un renard et écureuil. Ah ouais. C'est pas mal ça. J'aime bien. Mais oui, je vois le côté fennec pour les oreilles. Cela dit.
Aïe, aïe, aïe. Il a un côté sans visage, Naru. Ouais, c'est vrai. C'est pas drôle, le jeu il est triste et nous on rigole. C'est ce qui m'avait toujours un peu choqué, entre guillemets, dans ce jeu, c'est que il est très beau, il est super mignon, et l'histoire elle te met une claque dans la gueule en te disant « Bon, maintenant tu pleures et tu te tais !» Ok, d'accord. C'est pas gentil. Juste pour noter, l'utilisation de mon processeur est à 1,3. On se sent bien là, je crois. 6 frêles, pâle, presque infime. C'est la grosse PLS, hein, c'est là. C'est la vie quitte la forêt petit à petit. Et t'annonces la couleur dès le début. Mais c'est vrai! C'est vrai, c'est. Ça peut être quelque chose de mignon, mais il y a du mal. Naharu, voilà lumière. Référence à... Oh mince. Les Naru. C'est des roues qui disent non, des Naru, ou pas? Courage. Tu peux t'en dépêtrer. On se traîne littéralement, hein. Mais bon, c'est voulu, hein, le jeu est comme ça. Et lorsque faiblit mon enfant, eh bien, pouette. Eh bien voilà, game over. Donc merci à tous de nous avoir suivis, c'était très cool, hein. On aime bien ces jeux qui sont très courts, de 10 minutes, mais qui sont très beaux. Je me lasserai jamais cette vanne, en vrai. Ma lumière, ravi, Ori et la lumière Onaki, oui. Et bonjour! Je m'envole. Partie sauvegardée. Ça y est, on va enfin pouvoir jouer. Ouais, bon, après le prologue, hein, il pose l'histoire, il est important. Donc, comme nous pouvons le voir, j'ai un rond en bas avec écrit 0 et 3 points de vie. C'est tout. Le reste, ben, on le saura plus tard. Allez, c'est parti. Je suis très pénible, j'aime tout compléter. Vous êtes pas prêts. Voilà, c'est autant le dire. Hop là. J'ai trouvé un petit brasier de lumière spirituelle. Ma jauge s'est remplie de lumière spirituelle. Trouve en d'autres pour obtenir des points de compétence plus rapidement. Allez. Bon, on connaît un peu le jeu, surtout le début. Ça va aller. Je pense que je vais bien m'en sortir. Pour le début. Et là, il meurt instantanément. Et on appelle ça le karma instantané. Hein. Donc, on peut reprendre des points de vie grâce à ce genre de. Bon, ben voilà, hein, tu as trouvé un éclat de vitalité. Récupère-en pour régénérer ta vitalité. Et là, nous avons notre première cellule d'énergie. Je peux à présent récupérer et consommer plus d'énergie. Utilise cette ressource pour créer un lien d'âme et sauvegarder ta partie. Oh, j'avais oublié que dans celui-là, c'était des ressources limitées pour sauvegarder. Ah, il m'oblige à le faire, donc on le fait. B. Voilà. Partie sauvegardée. Donc on reviendra à cet endroit si l'on décède. Coucou. Ah bah. Eh bien oui, fallait pas foncer dans le mur, hein, il est de suite décédé. Tu as trouvé de la lumière spirituelle remplie ta barre pour obtenir un point de compétence. Tu nous l'as déjà dit. Et on va bientôt en avoir un d'ailleurs. Oui, il doit y avoir quelque chose dans le tronc. Évidemment.
Et voilà, nous avons notre premier point de compétence. Créer un lien d'âme, appuyer sur B près du lien pour ouvrir les compétences. On va pas l'ouvrir maintenant, je pense. On va attendre d'avoir au moins ça. Et revenir vers notre point. Ouais, vous allez voir. Et appuyer sur X pour récupérer la petite lumière. Je prends la petite lumière. Il a flash dans le mur, mais complètement, il a détruit le mur. Il a flashé tellement fort dans le mur que... Mes forces me reviennent, je suis saine, la lumière et les yeux de l'arbre de l'esprit. Bon, c'est comme une fée Navi, mais on va pas faire la voix de Navi de cadence, parce que là, je vais me faire taper, par contre. Donc, lorsqu'elle a relâché son emprise, je me suis retrouvé ici, égaré dans ce vallon. Je peux te guider tout au long de ton périple, si tu le veux bien. Non. Mais tu entends cela? Ils ont dû te suivre jusqu'ici, mais qui sont les Ils? Oh non, ce sont les méchants! Donc on peut appuyer sur X pour se battre et faire bzz bzz bzz. Bon, j'ai déjà pris des dégâts. Oh, j'ai pris 2 points de dégâts! Ouais, peut-être que jouer en difficile, c'était pas la meilleure des idées. C'est pas grave. Bzz bzz bzz. Pas de voix de Navi, nul ce stream. Ouais, non, je veux pas, non. Parce qu'elle parle beaucoup, 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 beaucoup comparé à celle de. De cadence, j'ai pas envie de me tuer la voix. Ah, voici la carte du jeu. Donc, on est un peu guidé. On nous dit, va au bosquet creux. Et sur le coup, tu te dingues, hein, je vais dans le bosquet creux. Donc, il va falloir trouver le bosquet creux. Wick, wick. Ah oui, c'est vrai qu'on peut détruire ce genre de fleurs pour avoir de l'XP. Et Dieu sait qu'on va vouloir de l'XP parce qu'on veut compléter. Ce que je vais vous montrer. Ici, maintenant, j'appuie sur B. Donc voici notre arbre de compétences. Cette barre représente la quantité de lumière spirituelle. Ils font 18 pour moi un point de compétence. Et donc on peut avoir différents arbres, hein, comme vous voyez. Et plus je vais en prendre d'un côté, évidemment, plus je vais débloquer des trucs sympathiques. Nous avons le choix en premier avec Braise. Permet de réutiliser les liens d'âme et réduit le temps de recharge en... Ça, je crois que c'est pour créer des points de sauvegarde plus souvent. Soit c'est bon, ben un aimant, hein, c'est dit, c'est pour que les objets viennent à moi. Et permet de lancer 3 flammes avant de devoir recharger, au lieu de 2. C'est vrai que vu que le jeu est difficile, peut-être qu'il va falloir que je me défende un peu mieux pour le moment. Mais je pense vraiment qu'on va prendre l'aimant assez vite. Hein, parce que c'est utile. Ce serait bien de trouver de la vie. Cela dit. Et pas Navi. Bref, tu vas en avoir besoin si tu joues en difficile. Oui, je sais bien. Mais je... Ouais, ça va être chaud. Ça va être chaud, ça va être chaud. Bzz, bzz, bzz. On va jouer safe, hein. On va pas faire n'importe quoi. On jouera peut-être un peu plus violemment, mais plus tard. Pour l'instant, on va être sympa. Hop, j'ai pris un niveau, très bien. On va pouvoir prendre les braises. Les puits aux esprits sont d'anciennes structures utilisées jadis pour traverser rapidement tout Nibel. La lumière des puits aux esprits te revigore également lorsque la fatigue te gagne. Et Dieu sait que je suis fatigué. On sauvegarde. Touk. Mais je peux pas ouvrir mes capacités. Ah si, je peux. Donc on prend le braise. Voilà. Et je peux pas monter là-haut. Pas encore, du moins. Donc on continue, hein. Bzz, bzz. Hop. J'ai failli foncer dans le truc. Je sais plus si c'est là-bas. Non, ça, je pense que je peux pas encore atteindre cette partie. Donc on va aller là. Attends. Juste un test. Non, y'a rien. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses cachées dans le jeu. Quand je vous dis beaucoup, c'est beaucoup. Donc c'est pour ça que je regarde quasiment tous les recoins pour éviter de revenir plus tard. Puis quitte à faire Ori, autant le faire comme il faut, de A à Z, parce que de toute façon, ce jeu est trop cool. Alors commencez par râler, je le fais pour vous et pour moi. Alors, ceci est... Mince. J'ai appuyé sur le bouton sans faire exprès. C'est une pierre clé. Ça me permettra d'ouvrir des portes.
Jusque-là, hein, je pense que c'est assez logique. Je sais pas trop où je vais. Je sais pas si c'est au-dessus ou si c'est là. Ah, bon, mais c'est au-dessus. Ce portail aux esprits nous barre le chemin. Ces structures avaient été créées pour nous protéger avant le déclin. Les pierres clés dont nous avons besoin ne doivent pas être loin. Pour atteindre l'arbre aux esprits, il nous faut tout d'abord traverser les grottes mystiques qui se trouvent au-delà de ce portail. Donc vous voyez bien que ben, il me manque une clé qui est au-dessus. J'avais raison. Il faut que j'aille d'abord au-dessus. Et nous allons, après la porte, nous allons sauvegarder. Parce que dans ce jeu, il faut penser à sauvegarder. Bip, bip, bip. Au revoir. Bye. Allez, la deuxième pierre clé. Tout va bien. On met ça dedans et on ouvre la porte. C'est des mécaniques assez simples, hein, cela dit, hein, pour un jeu d'aventure. Hein, vous inquiétez pas, on n'est pas perdu. Au pire, je suis là, je vous expliquerai. Alors, bosquet creux, terrier de noir acide et grottes mystiques. La madame nous a dit d'aller à... Comment ça s'appelle? À... Chose. C'est juste que je prends ça pour avoir, voilà, le fragment d'énergie. Les fragments d'énergie régénèrent la puissance des cellules d'énergie d'Ori. Mais pour l'instant, on n'en a pas encore l'utilité. Si, on en a l'utilité pour sauvegarder. J'avais dit que je sauvegardais. Je vais le faire là, devant le panneau. On sauvegarde. Pouf! Donc nous allons aux grottes, hein. Le jeu nous dit gentiment où il faut passer. C'est un peu aussi la force entre guillemets des Metroidvania. Parce que je pense que ça peut rentrer dans la case Metroidvania ou Metroid-like. Je sais plus s'il y a une différence entre les deux. Qu'est-ce que j'ai pris là comme dégâts? D'accord. Bon, je suis protégé, autant en profiter. J'ai pris un dégât, je sais pas d'où il est sorti. Mon lien d'âme est prêt. Bon, on va le faire de suite. Parce que pour l'instant, j'ai pas besoin d'utiliser mes cellules autrement. Après, c'est vrai que les cellules, j'en regagne pas tous les jours non plus. Mais ça va venir. C'est plus on va avancer, plus ça va être facile entre guillemets. Je crois qu'il y a la carte là-haut. On va choper la carte. Oui, il y a un morceau de carte là. On va faire ça. Je sais pas si je peux l'atteindre, cela dit. En parlant de carte, hein, je vous montre un peu le menu de pause. Donc on a des prouesses, hein, on aura plusieurs pouvoirs, vous verrez. Mince, c'est pas ce bouton la carte, c'est l'autre? C'est l'autre. Donc une carte assez complète, hein, on adore. On peut mettre la légende, on peut alterner entre le joueur et l'objectif, on peut zoomer. Vous voyez que nous avons une belle carte. Elle est belle. Elle est belle parce que le jeu est beau. On se répète, hein, mais c'est pas grave. On aime quand c'est beau. Je sais pas si c'est par là, cela dit. Je sais pas si j'avais pas une occasion, mais... Je sais pas s'il fallait... Ah, ok. Je suis fait one shot. Je crois qu'il faut que j'aille en dessous, hein, d'abord. Moi, je pense qu'il faut aller d'abord en dessous, là. Bon, on va voir. Si on est bloqué, de toute façon, ils vont bien nous le dire. Bon, ok, il faut pas qu'on aille en dessous. Ori, c'est une pierre carte, l'une des nombreuses bornes utilisées jadis comme point de repère dans la forêt de Nibel qui ne cessait de s'étendre. Il en manque un morceau. Si nous parvenons à trouver un fragment de pierre carte, nous pourrons peut-être le reconstituer. Donc, demi-tour. Demi-tour. Vu qu'on a eu la cinématique, on peut toujours sauvegarder. Genre... Non. B. Attends, mais ça me bouffe... Non, c'est juste, je peux le faire. Ok. Je me remets dans le jeu, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Bon, alors on va essayer de ne pas se faire one shot. Voilà. Ça serait dommage. Et est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant ici? J'ai peur de mourir. Ah! Bon, bah, je suis bien tombé. Hein.
Heureusement que c'était en haut qu'il fallait que j'aille. Hein. Faut que j'aille en haut, je vais vers le bas. Je suis un peu con, moi aussi. Bon, c'est pas grave. Des points de vie, ça fait du bien. Ah. Et je vais pouvoir avoir l'aimant qui va faciliter... On va le faire maintenant. Parce que ça va me faciliter la récolte de... Voilà, des petits points de... d'XP. C'est bête à dire... Enfin... Je trouve pas ça dommage qu'ils aient... Qu'est-ce que c'est? Certains gardèrent espoir refusant ce destin. Alors même qu'elle est massacrée un à un, nous allons avoir un nouveau pouvoir. La lumière de l'arbre aux esprits brille en chacun de nous. Il nous a permis de vivre, de nous épanouir. Lorsqu'il y a tant d'années, il a demandé à ce que nous te retrouvions. Nous avons été attaqués, blessés, décimés par notre ennemi. Ne reste d'eux que ces arbres ancestraux. Approche et absorbe la lumière de Phil, l'esprit qui gît à l'intérieur. Eh bien, merci Phil. On va pas avoir un truc genre double saut là? On sait pas. Nouvelle compétence, tu maîtrises le saut de mur. Bon, c'est encore mieux que le double saut pour l'instant. Pour utiliser cette compétence, utilise le joystick en direction du mur et appuie plusieurs fois sur A pour bondir vers le haut. Nous pouvons grimper au mur comme ceci. Et c'est pratique. Une nouvelle cellule d'énergie. Je peux à présent récupérer et consommer plus d'énergie. Oui, je vais pouvoir sauvegarder plus souvent. Je crois. J'aime bien le saut qui fait en avant. Mais j'aimerais aller là-haut, moi. J'ai vu qu'il y avait quelque chose au-dessus. Là, on le voit, hein. Moi, je veux y aller. Bon, c'est pas grave. Je sais même pas si je peux y aller, en vrai. Non, je peux pas. Hop. Allez. Vu qu'on a sauvegardé ici, on peut re-sauvegarder. Et on remonte. Mais au final, aller en bas était une bonne idée. Mais de toute façon, je pense que le jeu m'aurait forcé à venir ici et à fouiner s'il me donne un pouvoir dans ce genre de jeu de Metroidvania. C'est que j'en aurais besoin pour plus tard. Je n'avais pas vu l'espèce de... d'oursin, d'accord? Ne me jugez pas. Je l'ai pas vu. J'aurais dû, mais je l'ai pas vu. On va pas se refaire avoir, hein. Ok, c'est bon. Mais quel imbécile. Allez, on avance. Et j'ai fait n'importe quoi. Il me reste un point de vie. Yes. Je me sens bien. Après, on peut sauvegarder. Donc on va pousser ça. On va sauvegarder ici. Je sais pas si c'est la meilleure idée, parce qu'il y a un singe. Enfin, un singe grenouille. Je sais pas ce que c'est. Mais j'ai été touché par lui ou par son atterrissage. Je sais pas. Bonsoir. On re-sauvegarde direct. Voilà. Et on pousse. Poussez, madame. Vu. On veut l'XP. On le veut. On peut re-sauvegarder. Oh non! Vite, vite, vite. Prendre son temps, hein. On va pas... On va faire n'importe quoi dès le début, ce serait dommage. Allez! Oh, je veux le truc là au-dessus. Attends, mais je peux l'avoir. Oui. On veut la lumière spirituelle. On veut les pouvoirs. On veut le jeu. Allez, on prend le petit levier, clic. On va enfin pouvoir chercher le morceau de carte. On va sauvegarder parce que j'ai un point de vie. Ah, j'ai bien fait. Non, 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 non. Hop, tu as trouvé un fragment de pierre carte. C'est pour évidemment avoir la carte. Non, non.
J'ai pas envie de faire tous les monstres que je croise, mais d'un côté, j'en avoir besoin. Oh, il y a des points de vie. On va sauvegarder. Prendre les points de vie. Excusez-moi, c'est pas un bug, j'ai éternué. On va prendre ça aussi. Non, ça. Ah, le caillou. Ah, très bien. Et vu qu'on a un peu plus de ressources, on sauvegarde. Merci. Oh, mais mince! C'est aussi pour ça que j'ai envie de fouiller le jeu, c'est que je sais qu'il y a énormément de points de vie qui sont cachés. Ouh, la carte. Je n'ai pas vu la porte, cela dit, à ouvrir. Bah, utilisons la carte. Bah, elle doit être au-dessus, en fait. On appuie sur B. Pif, pif, pif. Donnez-moi la lumière. C'est bon? Allez, ouvre-toi, s'il te plaît. Un peu plus vite. Merci. On se regarde. Je ne peux pas créer de lien d'âme près d'ennemis. Ah. Donc on sauvegarde. On va d'abord garder en bas, ouais. Mais je peux pas descendre là. Donc on va pas regarder en bas. On va essayer de pas mourir, cela dit. Hein. Hop. Hop. Sautez, madame, sautez. J'ai failli morfler. Lui, je crois que j'ai jamais su comment on l'avait. Mince. Je sais pas si c'est au-dessus de ça, là. Peut-être que j'ai pas encore les capacités pour aller le choper, cela dit. Hop. Je peux sauvegarder. On le fait. Et là, y a un truc, là. Ah. Qu'est-ce que c'est? Ces portails d'énergie ont été scellés par les esprits du passé. Si nous récupérons assez de cellules d'énergie, nous pourrons nous traverser. Ah oui! Mais j'en ai pas assez. Il en faut 4 autres, ou 3 autres, je sais pas, et ben j'ai pas assez, moi. C'est quoi ça? La plupart des bonus s'affichent sur la carte, c'est bien. La création d'un lien d'âme rétablit une cellule de vitalité. On va prendre ça, hein. Et après, on prendra la puissance. Oui, on va d'abord prendre celui-là. Hein. Je pense que l'arbre bleu, ça va nous permettre de naviguer beaucoup plus facilement dans le jeu. Après, j'ai pas envie de dire une bêtise, mais c'est l'impression que j'en ai, du moins. Non ! C'est bon. Énormément est un euphémisme, il faut y revenir plus tard. Quand tu dis énormément est un euphémisme d'objets à récolter sur la carte, parce que là, oui, on est d'accord, il y a beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup. Mais... c'est la cata. C'est... L'homme a paniqué. Allez. Ça me fait penser à des fleurs dans Trine. Ces fleurs qui font des petits trucs de feu. Oui. J'aime beaucoup ce genre de commentaire quand t'es en live. Quand tu poses une question, tu sais plus trop et là tu vois oui. J'ai fait n'importe quoi, ça m'apprendra, tiens. Oh mince, j'ai pas sauvegardé depuis. Faut y penser, la sauvegarde c'est fort, hein, ça nous... Ça permet de pas faire n'importe quoi. Hop. Allez. Et surtout de ne pas recommencer 20 fois ce qu'on fait. Donc je pense que je vais en faire une là. Ici. Hop. Et d'un côté, enfin, je préfère un peu ce genre de jeu où tu peux créer toi-même tes sauvegardes.
Coucou les amis, coucou Ninon. Bonsoir, bonjour, bonjour, comme tu veux. Comment tu vas? Ils me trouvèrent inerte, immobile, accablé. Nous fîmes à Ori le récit de sa volonté dévoyée. Alors, excusez-moi, mais dévoyé, il me faut indico. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est un langage soutenu hein, qu'ils utilisent. C'est pas si mal, cela dit, mais dévoyé, c'est vrai que je comprends pas. Ori, l'arbre des esprits, il a dû puiser dans le peu d'énergie qui lui restait pour te sauver. Approche, écoute notre histoire. C'était le soir de la cérémonie des lumières. Comme elle arborait. C'est pas arboré qui est sorti du droit chemin, c'est dévoyé. D'accord. Aboré notre éclat. Bon, je crois que c'est... Bon, je fais confiance que ça soit aboré, mais... Bon, bref. J'appelais en vain mon enfant pour que me revienne Ori. Abordé. C'est moi qui sais pas lire, ça y est, je deviens dyslexique. Mince. J'étais dyslexique, entre guillemets, quand j'étais plus petit. Je confondais beaucoup les P et les B, mais... C'est pas grave. Aboré, avoir en honneur. En horreur, pardon. Ah ! D'accord. Donc c'est pas arboré. Aboré, c'est détesté. Punaise, vous m'apprenez des trucs. Et on en apprend tous les jours avec Iva Sandel, ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais, on... À la base, nous, on fait la culture. Enfin, on fait pas la culture, mais... on fait la culture dans Stardew Valley, c'est vrai. Mais... Ben, la chouette, elle est pas gentille, elle a volé la lumière. Vilaine chouette. Enfin... Moi, je dis que c'est une chouette. On fait la culture, nouveau slogan. Il va sans studio, on fait la culture. Ça marche vachement bien. Ça fonctionne, pardon. J'ai envie de me taper. Tu as reçu la lumière de l'arbre aux esprits. Notre sort est entre tes mains. Écoute-moi attentivement, c'est de la plus haute importance. J'aimerais qu'elle fasse ça, quoi. L'arbre aux esprits alimentait les trois éléments de la lumière qui, à leur tour, maintenaient l'équilibre de Nibel et protégeaient la forêt. Tout d'abord, nous avons l'élément des eaux à la cime de l'arbre de Ginzo. Puis l'élément des vents dans les profondeurs des ruines éplorées. Et enfin, l'élément de la chaleur sous la fournaise du mont Uru. Pour que Nibel retrouve toute sa splendeur, nous devons raviver leur lumière avant qu'il ne soit trop tard. La première se trouve par-delà les criques arachnides. Et on va quitter ce jeu ici. À la cime de l'arbre d'où jaillissent autrefois les gens. Non, mais non. Tu le fais pas avec la voix de la petite fée, je suis déçu. Alors, je l'ai dit, elle parle beaucoup trop, donc j'ai pas envie de faire la voix de la petite fée. Elle parle énormément. Bah, en fait, c'est la seule qui parle du jeu, donc c'est vrai que sur le coup, c'est un peu compliqué. Ah ouais, je... J'ai eu l'idée, mais bon, c'est... Ah ouais, là, ça va être dur. Hein. Bon, je peux pas encore passer ici. Ah, je comprends que tu sois très désappointé, mais là, je... Ouais, non, là, ça va être dur, là. Si je me mets à faire... Toutes les deux secondes, on n'a pas fini, quoi. Attention, Ori, le sol est instable. Et il n'a pas l'air si instable que ça, il supporte mon poids, hein. Ah, attends. Est-ce que je peux mettre un monstre dessus? Exactement. Eh, les souvenirs sont là, hein. Le bosque est creux. Je sais pas pourquoi j'ai sifflé en même temps, mais... C'est pas grave. Sauf que là, je peux pas encore monter, donc on va passer par le bas. Mais il y a un monstre, là. Hein. Oui, oui, Dring, dring. Torval nous suit, merci. Eh ben, dring, dring. Salut, Torval. Installe-toi. Discute avec nous. Je fais de mon mieux pour essayer d'interagir avec le chat. Promets-moi de me faire la voix de la petite fée la prochaine fois qu'on se voit. Si tu veux. Mais ça risque d'être ridicule. Après, je peux te le faire... J'ai envie de faire... La prochaine fois qu'elle parle, je peux te le faire. Allez, on va dire ça. Même si ça plaît pas à beaucoup de gens, mais c'est pas grave. Mais ça non plus, je peux pas l'avoir. Oh. Je sais pas si je fais bien de m'enfoncer. Bon, si.
Écoute, hein, un grand brasier de lumière, on aime bien. Hein. Il faut que je sauvegarde. J'y pense pas assez. Bon, on va sauvegarder ici, parce que s'il faut, je vais choper une amélioration pour pouvoir péter ce genre de choses. Ah ben non, parce qu'il me faut 2 points de compétence. Mince. Bon, c'est pas grave, au moins on a sauvegardé. Le lien d'âme est prêt, oui. Il est où le singe, là? Ah, ben un nouveau pouvoir. Hein. Ah ben, c'est pour toi, Nino, hein. Ah non, l'esprit mort est... Non. Ah non, l'esprit mort ici, il te ferait courageux. Écoute, il était capable de concentrer la lumière. Voilà. C'est pour toi. Tu maîtrises la compétence flamme attisée pour l'utiliser appuie longtemps sur X pour la charge. Ah oui! J'avais oublié ça. Mais il va me falloir beaucoup de cellules de l'énergie là. À ne pas confondre avec William. Et ne pas confondre avec le Pokémon aussi, l'énergie, qui est un des meilleurs du jeu, hein, soyons honnêtes. J'aime beaucoup trop l'énergie. J'aime bien Wattwad, j'aime bien l'énergie, mais c'est vrai que Pharamp, j'étais moins chaud, quoi. Mais ça m'a servi à quoi? Juste avoir de la lumière, ça? Parce que j'ai plus de... Ah, mais il y en a au-dessus. Parce qu'en bas, il y avait... Oh, il y avait un truc en bas. Il y avait un truc en bas à péter. Ça m'a filé deux, c'est bien, ça. Parce qu'une cellule d'énergie, j'aurais bien voulu la prendre. Paf! Cellule d'énergie. Et mon revient! Mince, il faut que je remonte là. Ah non, bah j'ai bien fait. Allez, un nouveau point de vie. Yes! Une cellule de vitalité. J'ai un point de vie en plus. Je vais pouvoir résister aux assauts de mes ennemis. Évidemment. On remonte. On se dépêche. On se traîne un peu. Ça fait longtemps, hein. Bah, Ori, depuis le premier, depuis que je l'ai fait en vidéo, en fait. J'y ai pas rejoué. Excusez-moi, comme d'hab, un peu enrhumé, mais ça, je pense que ça va me poursuivre toute ma vie. Ouais, je crois que j'ai pas retouché à Ori depuis. Enfin... Du moins celui-là. Wink, wink. Ah non, non, non! J'avais oublié qu'il se divisait. J'ai perdu de la vie un peu bêtement. Je sais pas si je peux aller là-bas, cela dit. Non, je peux pas. Pas encore. Les sauts qu'il fait avec ces espèces d'oreilles en hélicoptère, ça me fait penser à Rayman à chaque fois, je sais pas pourquoi. Hop, allez, on a récupéré de la vie, on sauvegarde. En plus, juste en dessous, on a un cristal pour les compétences. Tu veux pas viser en bas, s'il te plaît? Allez. Bon. Je veux pas qu'il me pète au visage, moi. Aïe, 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 aïe. C'est la fuite, c'est la fuite, c'est la fuite. De toute façon, c'est facile ce jeu. Après, il faudrait vraiment que je chope vite mon niveau, cela dit. Je peux pas descendre, là. Mais non. Mais... Je confonds toujours appuyer longtemps et appuyer qu'une fois. C'est pas très grave. Bon, non. On va commencer à avoir des araignées. Yeah, yeah. Bon, ça va encore, pour les arachnophobes, ça passe. Elles sont pas... entre guillemets, si horribles. Mais en vrai, si je tente... Bah déjà, ça fonctionne pas parce que j'en ai pas. Faut pas couper le fil là-haut. Je sais plus. Faut faire tomber quelque chose dessus, non? Yes! Comment je fais? Eh bien, il faut juste demander. Il y a un cristal juste là. Donc on va exploser ça.
Mince. Non, mais non, mais non, mais non! Je voulais pas atterrir là maintenant. J'ai fait n'importe quoi. C'est pas très grave. J'ai envie de dire comme d'hab. Hein. Raté! Je pensais pas qu'elle retire aussi vite. J'ai failli lâcher un raté. je sais pas si je vais au bon endroit. Comme d'hab. C'est bon, c'est bon, c'est maîtrisé, c'est de la maîtrise. C'est pas du... Je marche pas à tâtons. C'est de la maîtrise. Hop. J'ai un point de vie, mais... Faut dessus... S'il vous plaît, donnez-moi mon niveau 2. Ah. Bon là, je vais l'avoir, il y a des monstres un peu partout. Non? C'est quoi ça? Un portail. Ouh, Rayman. Non! J'étais gourmand. J'apprendrai à être gourmand. J'ai voulu de suite le pouvoir. Et je ne l'ai pas eu. On n'est pas gourmand, hein. Voilà, on laisse faire. Non, sans déconner, il m'en manque un ou deux. Non mais... J'ai un point de compétence. Je vais de suite le prendre. Et on prend de suite récupérer un point de vie quand vous sauvegardez. Enfin, quand vous créez un lien pour sauvegarder. Vous m'avez compris. Qu'est-ce que c'est que cette grenouille? Oh. Oh là! Attends, mais... Eh bien quoi? Ah, il me manque sûrement un pouvoir. La grenouille énervée. Easy, la grenouille énervée. J'aurais jamais dû faire ça. J'ai plus de... Oh non. J'ai plus de compétences. Je fais comment? Flûte. On va dire ça, flûte. Je passe jamais là, si. Oh, peut-être. C'est bon, ça passe. Bon, faut que je regarde ma carte, là, parce que je suis paumé. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. C'est quoi ce bloc de feu, là? Ah! Je crois que c'est pas par là qu'il faut que j'aille, hein, parce que le monstre est beaucoup trop fort pour mon niveau. Ah oui, il file des jolis feux. Ouais, c'est peut-être pas par là, donc on va... j'aime pas. On redescend. Et puis il me manque un pouvoir. Ah! Et puis il y a ça aussi, c'est important. Le fragment de pierre carte. Yes, j'ai fait n'importe quoi. C'est bon. Easy. C'est pas ça que je veux faire, c'est ça. Oh. Mais les monstres, ils ressuscitent vite, dis donc. Je me souvenais pas de ça, moi. Alors. Montre-nous où nous on doit vraiment aller vers là-bas? Bah non, le jeu nous dit d'aller là. Donc j'imagine que c'est au-dessus. J'ai loupé une info, moi, non? Bah, tout simplement ici, en fait. C'est ouvert. Pourquoi j'y suis pas allé tout à l'heure, hein? Bon, c'est pas grave. Ah, y'a ça. Je veux ça, moi. On veut l'expérience. On en a besoin. Ah oui, le marais m'a les pieds. Ouf.
Sauvegardons. Mais là, j'ai plus de... Regardez, en premier plan, il y a un bonhomme qui nous suit depuis tout à l'heure. Je croyais qu'on avait 3 tirs avant de recharger. Le jeu se moque de moi ? Oui. Faut que je fasse quoi ? Que je le pousse ? Nice ! Ça, c'était bien, ça. Ça... Ça, c'était vachement bien, ça. On passe 3 ans à tuer ça. C'est bon. Bah oui, je peux plus sauvegarder, donc... J'ai fait n'importe quoi, là. Est-ce qu'il faut le pousser, le machin, ou est-ce qu'il faut le tirer ? Bon, on va le pousser. Et on verra ce que ça donne après. Ah, s'il faut, faudra que je le pousse un. L'autre sens. Soit, c'est pas grave. Au moins, je peux sauvegarder. Regagner toutes mes ressources. On est bien. Non, c'était pas mauvais. Allez, on pousse dans l'autre sens. Mais je vais me bloquer, là, non? Je l'ai vu venir, mais j'ai pas réagi. C'est pas grave. On pousse. Non! Ok. Alors, je crois pas que ça soit comme ça qu'il fallait le mettre, mais soit, ça fonctionne, hein. On va sauvegarder là-haut. Alors, Cory a porté à la forêt espoir et lueur. D'autres préféraient s'abandonner aux ténèbres, à la peur. Reviens ici, c'est ma lumière. Un gument des ruines éplorées, nous devons le suivre pour lui reprendre ce qu'il a volé. J'avais jamais fait attention qu'il y avait autant de rimes dans le texte. Ou du moins, il y en avait juste là, mais... Ça m'a frappé plus que d'habitude. Rends-moi ça! Il est passé où? Non, 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 non! Oh là là! Oh non, pas ces fleurs! Non, 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 non! Oh punaise! Bonjour, je suis le blob insupportable, je me divise en 20 petits machins. Oh mais mince! Il a failli m'avoir. Reviens ici. Ah, je crois que je les ai fait bugger. Très bien, je vais pouvoir m'en sortir mieux que... Non. En fait, non. Ah, c'est si on s'approche d'elle, c'est ça? Hop, on fait ça. On joue la sécurité, madame. Ça s'en va? Ah oui. Il y a un ennemi? Ça va pas se péter avec lui. Oh mince, 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 mince. Mais j'ai toujours adoré ce perso. Le Gumon là, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle Gumon. On vient de le lire mais j'ai déjà oublié. Et j'ai toujours détesté ces ennemis. Les plantes. Ou les blobs. Les blobs qui se divisent en 28 blobs. Les blobs. Ah ! Oh, je trouve qu'il y a pire. Genre les fleurs comme ça là.
Ah oui, il faut utiliser les fleurs pour casser plein de choses. C'est ça, hein. Je crois que c'est ça, ouais. Mais elle, faut faire comment, là, déjà? Je vais la manger en plein dans la tête, non? Non, c'est bon. On s'en va. Je peux pas créer de sauvegarde. Ah, je peux. Venez ici. Parce que j'ai dû louper plein de trucs, mais c'est pas grave. Oh non! Ah, je me souviens, lors de la première vidéo ici, qu'est-ce que j'en avais sué, pour être poli. Oh là là. Surtout là, en fait. C'est là. Ça, c'est tellement l'enfer. Non! Ok, c'est bon. Je suis devenu nettement meilleur. Les années sont passées, l'expérience s'est accumulée. Moi aussi, je vais parler en rime, vous allez voir. Pas du tout, pas du tout. Trop tard, contre-pistage. Voilà, avant d'entendre d'autres trucs qui me plaisent pas. Alors, attends, je lis. Qu'est-ce qu'on a écrit? Ah, mince! Les fleurs, à partir du moment où t'as le pouvoir de sauter en prenant appui sur le projectile, c'est cool. C'est vrai. Ben, c'est le seul moyen pour le début du jeu, du moins, de pouvoir prendre de la hauteur. Parce que pour l'instant, on est plus axé sur une seule direction. Bon, tant pis pour la nourriture spirituelle, la lumière spirituelle. Ah, un pack. Sauvegardons. Et on redescend. Mais il a lâché la lumière dans le vide. Mais il est... Il est bête. Être poli est de mise. Il est très bête. Est-ce que je vais dans la... Je ne crois pas que je vais dans la bonne direction, là. Que j'aille dans la bonne direction. Au pire, j'ai encore une carte, hein, mais bon. C'est surfait, la carte, on est d'accord. C'est surfait. On s'en fiche de la carte. Pas du tout. On va aller à l'objectif et on visitera plus tard. Maintenez X. Ben celle-là, j'ai pu l'ouvrir. Est-ce que c'était utile de l'ouvrir, cela dit? Parce que maintenant, je peux plus sauvegarder. Non mais... Le gumeau, ce salaud. Repère de gumeau, oui. Je ne peux pas aller là-bas. Et il me manque le pierre-clé. Oh, punaise. Et je peux pas monter là. Oh... Ah, je veux bien d'abord ça, là. D'abord ça, ensuite on sauvegarde, et après on y va. Go! Non, y'a rien de caché ici. Y'a rien de caché là. Je vais tout fouiller. J'ai vu le fragment de pierre-clé. Yes! Et j'ai vu les pics aussi. Et de très près. Et je vais la refaire ou pas? Non, c'est bon. La pierre-clé. Le fragment de pierre-carte, pas la pierre-clé, je suis bête. Hein. Il y a une grenouille énervée là-bas. Je vais dire bonjour, mais je sais pas si elle sera aussi polie que moi. Bonjour. Non, elle veut pas. Bonjour. Une grenouille. Oui. Mais Gumon, il active... Oh non! Oh, ce monstre! Non! Je l'avais oublié, lui. Lui, il est pénible, par contre. Il est long à tuer pour pas grand-chose, je trouve. C'est ce qui s'appelle le spam, hein, mais... Ça a pas l'air de bien fonctionner. Ah, attendez, j'ai une idée. Ah, ça fait mal, hein, quand même. Mais bon, est-ce que c'était vraiment utile de faire ça, sachant que je n'ai plus d'énergie? Je crois que... Ouais, il y en a là-haut. Allez! Voilà. Impeccable.
Nous gagnons une pierre clé cette fois-ci. Ou le pierre clé, parce que évidemment le clé. Bon, on va repartir tranquillement. La grenouille est revenue et elle veut toujours pas nous dire bonjour. Ah, one shot quand même. Vilaine grenouille. Oh, j'imagine qu'elle one shot pas de base parce que là je joue en difficile. Mais un peu de challenge, ça fait du bien aussi. Ah, c'est surtout que j'ai déjà joué au jeu, donc je pense que je peux m'autoriser ce genre de choses. Hop, on va sauvegarder ici. Et maintenant, on va s'amuser dans les pierres qui bougent. Je crois que je suis mort, mais je suis pas sûr. Non, c'est bon. Il y a le pierre clé là-bas. Il y a un singe qui va me sauter dessus. Oh la vache, mais. J'avais pas vu l'araignée. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Elle est anecdotique. Voilà. Ça lui apprendra. Oh non. Ok, c'est bon. Il est facile ce jeu vidéo. Je vais pas trop l'ouvrir non plus. Ah mais non, mais quel imbécile. Flif, 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 flif. On va faire une sauvegarde ici, c'est pas si bête. Eh, j'ai bien fait. Hein. Bon là c'est bon. Je me souviens pas trop de cette zone en vrai. Je sais qu'il y a des pierres qui bougent un peu beaucoup, mais c'est tout. Mais toi, t'es pénible aussi. Hein. Au revoir. Ah, bah, un nouveau pouvoir. Est-ce que c'est le double saut? Un arbre ancestral, Luru, gît ici même. Elle était leste, agile, elle savait fendre l'air. Ah non, c'est peut-être pas le... Je sais pas. On va vite le voir, de toute façon. Tu maîtrises le double saut. Bon ben voilà, j'avais raison. C'est pour aller encore plus haut. Pour aller plus haut, comme dirait l'autre. Hop, très bien. On va pouvoir choper... Plein de spaghettis. Oui, oui, va-t'en. Saleté. Sauvegardons. On peut prendre ça, mais pas grand-chose, cela dit. La carte. La carte nous dit... Vers le haut. Bah, maintenant qu'on a le double saut, ça risque d'être un bubu. Sympathique. Mais pourquoi... Attends, mais j'étais touché par quoi, là? J'étais dans les airs. Il m'a pas touché. Et pas touché. Oh. Sans déconner, quoi. Oui! Oui! Oh, no. Non, mais va-t'en. Non, mais c'est pas possible. Après, je pouvais juste faire ça au lieu de prendre appui sur le mur, hein, mais c'est pas grave. Ça a servi à rien. Je pensais que ça allait vraiment lui faire des gros gros dégâts, mais pas du tout. C'est bon? Ah non, il en reste à moitié. Ok. Ah, une nouvelle capsule de... d'énergie. Une cellule, pas une capsule. Mais là, on est redescendu, là. Bravo, Bravo, Captain Obvious. Jean Mélan, on est redescendu. Ah oui.
Est-ce qu'on remonte maintenant? Parce que je crois qu'en dessous, il y a du bonus. Cool! Oh! Bah ça alors. On va sauvegarder ici, et on va prendre... les dégâts. Hein. Les dégâts, parce que c'est bien hein, la maladie d'orientation, mais pour l'instant, je trouve pas en avoir l'utilité. C'est pas méchant quand je dis ça, tout va bien. Alors si je fais exploser ça, non voilà, ça tue tout le monde maintenant, autour. Une bonne chose à savoir. Je me souviens de ça, c'est pas ouf. Genre bloup. Au revoir. Ouais non, alors avant de faire... une énorme bêtise. On va passer de l'autre côté. Mais je ne peux pas. Et il en faut... Ah mais en fait... Non, c'est bon. Il en faut vraiment 4 en même temps. Je pensais que... tu as trouvé une cellule de compétence qui octroie un autre point de... Ah, ça, ça donne un point de suite. C'est pratique. Et il me faut une autre cellule bleue pour ouvrir cette porte et continuer vers le bas. Oh non, j'ai fait n'importe quoi. Ça va. Bah, il doit y en avoir une pas loin. J'ai juste mal fouillé. Je sais pas ce qui s'est passé, mais vous n'avez rien vu. Ça lag, c'est pour ça. Le stream il lag. Pas du tout. Hop là. Sauvegardons. Hop. Aigumon, mais il a lâché là. Attendez, mais. Il a lâché quelque chose, il a lâché dans un trou de la lumière. Et cette lumière, on sait pas où elle est maintenant. Ou alors la lumière, c'était l'esprit. Non, ça m'étonnerait, vu qu'on aurait dit la clé de l'arbre. Où c'est qu'il a mis là, j'ai fait n'importe quoi. Oui, 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 j'arrive, promis. Attendez. On va faire autre chose. C'est bon. On verra plus Gumo. Fallait plus que je prenne au-dessus. Hop là. Allez, ça c'est fait. La grenouille énervée, le retour. Ah mais il y a plein de chauves-souris, j'avais pas vu. J'avais jamais remarqué, du moins. Et vous voulez pas m'aider? Je cherche... Vous avez pas vu mon fils? Hop là. Ah oui, bah je peux faire ça, je suis bête moi aussi. Ouf! Non, on va pas le suivre. D'abord, fais ça, là, parce que si je tombe comme un caca, au moins, je vais pouvoir revenir. Je me connais à force, hein. Attends, mais ce morceau, il y apparaît pas sur la carte, pourquoi? Sauvegardons. Ça fait longtemps. Hop. Ça va comme vous voulez, ça se passe bien. Après, c'est un sale gosse. Tiens, ça t'apprendra. Mais alors, ça t'apprendra. Chais. Moi, on m'avait dit de jouer à Ori, pas à Donkey Kong. Pas à Mario versus Donkey Kong. C'était pas du tout tendu. Arrêtez de mentir.
Non, non, mais je fais n'importe quoi. Mais c'est de la faute de Gumo. Mais avec toutes les pierres que je me prends dans la tronche, là, enfin... Toute la caverne devrait me tomber dessus. Punaise, je l'ai pas vu. Oh non, mais il va encore nous faire... Hey, regarde, je te fais le caillou. On peut pas le passer. Ben, cher, pour la deuxième fois. Ben, je vais redescendre, on va sauvegarder pour éviter d'avoir la... La vidéo à chaque fois. Oh. Mais je fais n'importe quoi. J'ai l'impression... J'ai l'impression que c'est pas évident. C'est qu'une impression, vous savez. Après, je peux faire... J'aurais voulu me caler au-dessus, là, mais j'ai pas pu. C'est un peu plus facile de faire ça, non? Hop. Mais il y a des cailloux, ils tombent du ciel, genre, d'un coup, genre... Quelle idée. Après, enfin, qu'est-ce qui m'interdit de sauvegarder ici? Personne. Allez. Aide-le, là, parce que c'est un sale gosse. Il dit pas merci. Salaud. Oh. Nice. Et le levier, je peux pas... Non. Bah non. Henri emplit son cœur de bonté et d'espoir. Ouais, mais il a pas dit merci. Ah. Merci bien. Tu as trouvé le source. Cette gemme antique va te permettre d'entrer dans l'arbre du Ginzo. Souviens-toi, l'élément des eaux se trouve à la cime de l'arbre du Ginzo. Nous ferons mieux... nous ferons à nouveau jaillir l'eau. Retournons-y vite. Eh ben, on y va, on y va. On y va, on y va. Il n'y avait pas un téléporteur pas loin? Eh bien, s'il y est, il est pas encore sur ma carte parce que ben, j'ai peut-être pas pris le... le truc pour mettre les choses sur la carte. Oh non. Remonte, remonte. Eh ben non. Mais là, comment je fais? Comme ça, c'est je peux y aller comme un bourrin ou alors prendre les poteaux qu'il y avait au-dessus. Je pense que les poteaux c'est mieux parce que là je vais me prendre des dégâts. Ah mais là les pics contre un mur, miam miam petit gâteau quoi, voilà. Ah. Après je suis tombé d'un coup là. Est-ce que je suis pas encore censé passer par là? Aucune idée. Après, je suis tombé très vite. Hein. Oh non. Je pense que... Je pense que je fais peut-être n'importe quoi. Par là, c'était pas mal. Hein. Hop, on remonte de suite et... Oh non, j'ai pris les pics. Mais j'ai l'impression que c'est le seul endroit où je peux monter. Je peux pas remonter là, si. Bah si. Mais pourquoi il y a ça alors? Il doit y avoir un point de vie, un truc du genre. Un truc super utile. Alors esquiver les pics dans cette position, hein, quel enfer. Ah mais... On va sauvegarder, promis, hein, parce que là c'est... Ouais, là c'est compliqué, là. Ça risque d'être long. Hein. Mais j'aimerais bien ne pas prendre de dégâts. Ouais, voilà, comme ça, c'est bien comme ça.
Au moins, ça évite de prendre des dégâts inutiles. Ouais, ça aurait été bien de le faire avant, en fait, idiot bête du village. Bah, j'aurais dû faire ça depuis le début. Par contre, ça vaut le coup, parce que pour un point de vie... Un point de vie, c'est bien. C'est toujours bien, un point de vie. On adore les points de vie. C'était mec sympa. Allez, on remonte. Ok. Mais non, mais... Il y a le truc qui va s'exploser contre le sol, là. Ça passe, ça passe? Oui, ça passe. Ah non, non, non! Ok. Non mais... Oui, il a failli sortir, mais c'est normal. On va sauvegarder ici, hein. Oh, non, 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 non. Voilà. Non. Mais je fais comment? Bah comme ça en fait. Pourquoi je me pose des questions, moi aussi je suis bête. Ah oui mais... J'ai pas fait exprès, promis. Mais en fait je peux pas continuer par là. Maintenant il me manque... Il me manque quelque chose. Ah ben oui, il me manque vraiment quelque chose. Bah tant pis, on reviendra un autre jour. Hein. Ok. On regarde la carte. S'il faut, il y a un truc bien là-bas. J'ai plus de quoi sauvegarder, donc autant tenter. Ah ben oui, là. Coucou. Est-ce qu'il faut que je passe d'un coup et tu te feras écraser derrière? On va faire ça, hein. Bon, allez, suis-moi. Bon, il est pas mort. Moi, oui. Mais c'est pas possible. Ça m'apprendra à vouloir du mal aux animaux aussi. Quelle idée. On va la retenter. Allez, viens ici. Je crois qu'il y a un truc au-dessus de celui-là, par contre. Hein. De souvenirs, mais alors vraiment souvenirs très lointains. Non, il y a peut-être juste le mur, cela dit. Ah, je sais pas. Punaise. Ouais, mais je peux pas sauvegarder. Attendez, je sais pas où je vais. Est-ce que c'est au-dessus? Ah! Là, ça m'intéresse par contre. Une cellule d'énergie pour pouvoir sauvegarder ici et aller vérifier. Après, je sais pas, hein, cela dit. On dirait pas. Je pense que je vais finir écrasé et puis c'est tout. Yes! Cette mort raconte pas, c'était un test. Ah, ok.
Mais là, je peux pas le casser, ça, encore. Ah, peut-être avec lui. Mais est-ce que je veux vraiment le casser? Non, mais non. Non, mais... Non. C'est pas très grave. Bon, c'est pas grave. C'est pas du tout là où je dois aller, hein. Aïe. Mais pourquoi le monde d'Annecy m'avait du mal, wesh? Oh. Cool. On va voir l'amélioration de la carte. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Ah oui, quand même, oui. Ah oui, quand même, oui. Oui, oui, oui. Il fallait, oui. Hmm. Ouais, c'est mieux. On apprécie. J'ai pas assez de... Si. Il y a des trucs à 4, mais c'est dans l'eau. Non, je vais pas pouvoir y aller. On va essayer de se concentrer sur là où on doit aller. Hop. J'ai pris des dégâts parce que j'aime bien ça. Pas du tout. Je peux me téléporter après, non? Jusqu'à l'arbre. Mais est-ce que je me téléporte ou est-ce que je fouille? Parce que fouiller, c'est bien quand même. Ouais, fouiller, c'est bien, ça nous permet de faire des niveaux et... de trouver des objets cachés. Ouais, on aime bien trouver les objets cachés. Enfin, moi j'aime bien, vous non, mais... Oh, punaise. Non. Ah, ça va, j'ai réussi. J'ai sauvegardé là. Et comment je fais pour lui, là? Il faut timer, hein. Non? Ah ben voilà. Après, quand on est meilleur, ça passe, hein. Hop là. Oui, tant pis, on va sauvegarder. J'ai pas envie de le refaire. Là, ici, je peux pas y aller. Après, si je saute dans les pics, c'est vraiment pour vous montrer que je suis très fort. Hein. Oui, non, va-t'en, merci. Ah oui, par contre, remonter par là, c'est pas la fête. Hein. Je commence à me poser la question de est-ce que je me TP. Non, c'est pas la fête de remonter par là. Hein. Mais ça se fait. J'ai un cul. Mais un cul. Ah, mais il y a plein de bonus, là. Eh ben voilà. Eh ben voilà. On va sauvegarder ici. Et on va aller chercher le reste de le bonus. Yes. Mais je ne peux pas aller là. Mais je vais pas pouvoir remonter en fait, c'est moi qui suis complètement bête. Non. Oh, la grenouille énervée. C'est son nouveau nom à elle, la grenouille Zef. Non, en vrai, je vais pas pouvoir continuer par là. Bah non! Alors qu'est-ce que je fous ici? J'aurais dû me TP, c'est ça? Tout le monde va me le dire 20 fois dans le chat, mais TP-toi, bordel! Tu sais, je vais pas pouvoir remonter, c'est ça que je veux me dire en vrai. Quoique, je sais pas en vrai. Ça m'apprendra à pas sauvegarder. Ah, mais mince! Bon, allez, on va se TP, ça m'a saoulé. Et zouf. Mais j'étais pourtant sûr d'avoir fait le chemin inverse dans la première partie. Avec difficulté, peut-être aussi, hein, cela dit. Parce que Dieu sait que je peux être têtu.
C'est bon, ça fonctionne bien de votre côté. Il n'y a pas de saut d'image, il n'y a pas de saut de stream d'internet, rien du tout, tout va bien. Qui ne dit mon consent, donc on va dire ok. Eh ben oui, je vais me téléporter là-bas. Merci. Pas du tout. Ça va tranquillement et poétiquement. Poétiquement, je sais pas si ça vient de ma part, par contre. Hein. Je vais plus mettre ça sur le jeu que sur moi. Hein. Où allons-nous? Comme dirait une certaine... Bah, au-dessus. Non, toi, Yakipon, tu es poétiquement. Oui, moi, je suis poète. Moi, je suis poétiquement. Poète, poète, poète. Par contre, j'ai une pierre carte, mais je l'ai pas mise... Je l'ai pas mise dans le truc en bas, là. J'ai vraiment fait ça. Je me trimballe avec une pierre carte depuis le début, c'est ça. Mais j'avais jamais... Mais j'ai pas fait attention. Ou alors, j'ai peut-être pas encore trouvé. Bon, c'est pas grave. Arbre de Ginzo. Les eaux de Nibel se déversaient autrefois de cet arbre, mais le voici désormais mort et creux. Pour qu'à nouveau jaillisse l'eau, il nous faut trouver le cœur de l'arbre de Ginzo. Et oui, bienvenue dans un jeu qui s'appelle Ori and the Blind Portal. Portal, c'est bien comme jeu, faut y jouer. Les gens qui n'ont pas joué à Portal, ben, faudrait qu'ils y jouent en fait. C'est tellement bien. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé. On va être plus correct et dire ça. Alors, on a de la vie et de ça. On reprend encore plus de vie. Pourquoi le monsieur il veut pas mourir là? Eh monsieur, s'il vous plaît. Oui, il faut juste monter. On est d'accord. Hein. Après, ils l'ont dit, c'est un arbre. Oh non, non! C'est bon. Ne vous inquiétez pas, je l'ai vu. Et je les ai pris les dégâts. Hein. Ok, là par contre je commence à être un petit peu perdu, donc on va se calmer. On va essayer de voir où on peut aller et ce qu'on peut faire. Je peux aller là. On compte y aller. Il y a des points de vie, les points de vie c'est chouette. Les points de vie, c'est la vie. Enfin, je sais pas si vous étiez au courant, mais... Attends, quoi? J'aurais pu juste faire ça, en fait. Eh bien, soit. Oh non. J'ai bien fait de sauvegarder, hein, parce que quand on voit la nullité du type, on se demande... tu sais jouer aux jeux vidéo, monsieur? Non. Non, je sais pas jouer aux jeux vidéo, donc vous vous calmez. Oh, non! J'avais oublié ça. La preuve que... Tu t'es fait avoir, là. Oui, merci, oui. Ça, c'était le meilleur commentaire, quoi. Mais mince! Bon, je vais sauvegarder, promis. On va sauvegarder. Tu t'es fait avoir. Ah, punaise. Mais pourquoi? Et puis moi aussi, je fais que dire que je vais sauvegarder, je le fais pas, je suis con. Y'a pas d'autre mot.
Oh non, c'est bon. C'est là où je le fais ou là? Là, c'est bien là. Mais... je ne comprends pas. Je sais pas si je regagne mon double saut en fait. Oui, je le regagne. Ok, on arrête de faire n'importe quoi. Alors là, par contre, je sais pas où je suis mort. C'est quoi déjà un des succès du jeu? Ah oui, finir le jeu avec une seule vie. Ouais, ouais. On l'aurait vachement complété avec nos 50 morts, là. Mais mince. Bah, c'était facile, hein, du premier coup. Le mec, pas du tout insupportable. Ça va là-bas. Eh, ça dégage. Plup. Et ça va pile devant. Ce jeu est bien fait, quand même. Genre, poup. Mais après, ça va vers où, là? Je vais me le prendre à la tronche ou pas, c'est ça? Ah oui, non, ça va là. Ah! Attendez. Vite, vite, vite. Eh mince! Je suis pas allé assez vite. Je me suis fait avoir là. Ah, c'est drôle. Allez, vite, vite! Non mais en même temps, s'il tombe en même temps, qu'est-ce que... hein? Bon, voilà. Allez, allez. Vite. Mais pousse-le! Oh, mais c'est mort, là. Attends, je vais me mettre là. Là. Vite. Mais pousse. Non, mais il est nul, ce jeu, aussi. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Punaise. Ah, là, c'est peut-être la bonne. Ben voilà, il est facile. Vous plaignez, mais... il est facile, ce jeu. Pas du tout insupportable, le type. par contre... mais il y en avait deux. Mais non, mais... attendez, je monte la souris. Il y en avait un là. Pourquoi je me suis emmerdé? Il y en avait un là, j'ai juste à le pousser et faire... oh là là. À vrai dire, j'ai fait la technique du beau gosse. C'est tout. Ah, je me suis rendu compte qu'après. Tant pis. Ah là là, quel idiot bête ce gosse. Oui, bonjour. Allô les fleurs. Non. Bah non. Bah non. Et là, ça a pas fait de caca qui reste. Je comprends pas tout parfois ce jeu vidéo, vous savez. Là, on va où là? Attends, quoi? À quoi ça sert, alors, d'aller là? Parce qu'il y a deux clés. Elles sont pas assez grosses, hein. Excusez-moi. Elles étaient pas assez grosses. Donc, comment tu veux que je fasse, moi? Oh, putain. Mais... non, mais... il ne peut plus rien m'arriver d'affreux maintenant, dit-il. Tic 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 tic. Est-ce que j'ai loupé des... non, hein? Non, j'ai rien loupé. Je suis trop fort. Ah si, là, il y a un truc vers le haut. Mais c'était le bloc. Oh non!
Je suis vraiment désolé de ce qui va suivre. Je m'excuse d'avance, vous savez très bien, ceux qui me connaissent, pourquoi je fais ça. Je sais qu'on me déteste. Vous inquiétez pas, je suis au courant. Voilà. On peut continuer. Me jugez pas. Me jugez pas. Mais bon, on reprend. J'ai dit ne me jugez pas, arrêtez. Bon! Ah! Ça y est, un des pouvoirs les plus intéressants du jeu. Des cris de désespoir s'échappent de l'arbre ancestral. Rime était agile. Rime, genre Rimfire, le fameux? Bon, bref, Rime était fragile et filait à toute allure à travers les airs. Écoute sa voix, ses paroles pleines de sagesse. Avec grand plaisir, parce que celui-là. Celui-là, petit gâteau, sans déconner. Oui! Ah, celui-là. Ah! 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 Il est trop bien. C'est un des. Et non! Ah! C'est tellement jouissif comme pouvoir. Ah non, faut pas se prendre sous en fait. C'est trop bien. Franchement, c'est. D'avoir inventé ce truc, je trouve que c'est une sacrée idée. Pour être poli. C'est trop bien. C'est franchement. C'est trop trop bien. C'est trop trop bien. J'adore ce pouvoir. C'est tellement, mais pratique. Et puis même, c'est, je trouve que c'est vachement bien implanté dans l'idée du jeu. Et... Bon, d'un coup, ça te rend très fort. C'est vrai. Mais Dieu sait que c'est bien. Ah. Ah. Ouais, je vais souvent faire ça avec ce pouvoir, mais vous pouvez pas comprendre. Ah, ok. Ah, bah j'ai adoré là, ouais. Me sens bien. Hop, petite cellule d'énergie. Tu l'aimes ce pouvoir? Oui, je l'aime. Ah, je l'aime tellement. Genre, ah. Ah, je l'aime beaucoup. Pouf. Et pouf. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'aime ce pouvoir. Ah non. Ok, c'est bon. C'est... Ah, c'est tellement pratique, c'est... Ah. Le Chocodile, oh my god. The Chocodile. Allez, mais ces portes aussi qui mettent 3 ans à s'ouvrir, là. Ah là, par contre, ça allait un peu moins marrant, ce, le pouvoir. Pif. 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 Easy. La facilité. Où dois-je aller? Je crois que là-bas il y a une sauvegarde. Les souvenirs. La 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 la. Je ne peux pas aller là. Pourquoi je veux aller là? Bon. Un peu d'action, ça vous dit? Ah non, c'est pas maintenant. Faut d'abord faire les deux côtés, et après l'action. Le cœur de l'arbre de Ginzo protégeait autrefois l'élément des eaux. Mais le voici aujourd'hui, malade et gangrené. Nous devons l'aider et soigner... Non, nous devons l'aider, le soigner et le purifier en le débarrassant du mal qui le range des deux côtés. Non, ce n'est pas maintenant. Ouais, ouais. Il faut d'abord que je fasse les deux côtés. Grâce au pouvoir que j'envoie
Oh non, non. Personne n'a vu ce qui s'est passé de toute façon. Au revoir. Bye. Tiens, mange ton truc. Grenouille de merde. Voilà. J'ai la haine contre la grenouille. C'est vraiment pas ma copine. Là-bas. Oh non. Plus haut, s'il te plaît. Pas dans le mur, mais plus haut. Impec. Petite sauvegarde, là. Bah, je sais pas pourquoi je sauvegardais ici, cela dit. M'en voulais pas. J'aurais pu sauvegarder en plein milieu et reprendre à gauche, à droite. Est-ce que j'ai oublié des choses? Eh non. Je ne veux rien oublier. Et tu me stresses rien que d'en parler. De quoi? Ah, du moment. Elle est maman. Ça, par contre, de souvenir, je crois que c'était un peu le... La galère, ce puzzle. Bon, c'est pas la galère, mais... Il faut être assez vif. J'ai fait n'importe quoi. M'en voulais pas. On va sauvegarder. Pour pas refaire 20 fois les mêmes trucs. Hop. Là. Off. Il est pas du tout allé là où je voulais, cela dit, c'est pas grave. Coucou. La fleur? Hello. On va la faire. Pourquoi je l'envoie là déjà? Ah oui, pour aller là-bas. Mince, non. Mais j'avais oublié. On va éliminer tous les machins. Voilà. Et maintenant on refait tout. Tranquille. Ben ça vient de tirer maintenant. Allez! Touk. Je suis sûr qu'il y en a pour le speedrun, il envoie déjà vers le haut, elle part à Babel-Oued-les-Bains, enfin... Je pense qu'il y a de quoi optimiser, mais suivons le jeu. Suivons le jeu. Ouais, ça passe. Ouais, back. Ça serait bien de sauvegarder, s'il me le fait pas faire. Ouais, on va faire ça. Bonjour. Nous pouvons à présent rétablir l'élément des eaux. Il ne nous restera ensuite que deux autres éléments à raviver. Oui. Allez, c'est parti. Est-ce que je le fais du premier coup? On va voir. Et vite! Non! Il y a un truc là! Non! Je l'ai pas fait du premier coup. J'ai oublié qu'il y en avait un là. Allez, go. Dégage! Je dois aller vite. Mais pousse-toi, toi aussi, là, avec ton gros fiac. Oh! Bon. Ça va pas être... T'inquiète pas, Tiz y connaît le contenu. C'est vrai qu'il peut follow, cela dit. Ce sale gosse. Non! Bon, en fait, je vais me prendre les pics quoi qu'il arrive. Bon. La musique est trop cool. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Non mais les piques... Oh c'est bon, ça passe. S'il vous plaît. Voilà.
S'il vous plaît, madame, laissez-moi monter, je veux vivre. Comme dirait un certain... Faudel. Je confonds encore, je sais plus. Je vivrai. Bon, j'ai pas... Si, si, je vis. Vite. Oh mais non. Oh ça c'est pas cool par contre. Bon, moi qui comptais le faire en un coup, ça va être compliqué. Pouette, 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 pouette. Le pouette, 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 pouette. Allez vite, 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 vite. Non mais, je fais n'importe quoi. Il faut aller vite, il faut aller vite, il faut aller vite. Oh non, oh non. Non mais... J'ai fait n'importe quoi. C'est pas grave, ça passe. C'est en faisant n'importe quoi qu'on fait n'importe quoi, comme dirait... Il a jamais dit ça. Vite. Vite. Non, non, reviens. Oh non, mais je fais comment pour monter? Vite, 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 vite. Vite, 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 vite. Non mais elle est, elle aussi, elle est... Oh mais c'est pas possible, faut tout refaire depuis le début à chaque fois. En même temps, tu peux pas sauvegarder là en plein milieu aussi. J'ai pas tenté. J'imagine que le jeu t'envoie un message. Tu es en pleine action, tu fais pas ça. S'il te plaît, fais pas ça. Allez, vite, vite, vite. Vite, vite, vite. Je sais pas pourquoi j'attends, en fait, je peux grimper le long du mur, là. Vite, 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 vite. Il faut aller vite. Il faut aller vite. Il faut aller vite. Il faut aller vite. Si vous avez oublié, faut aller vite. C'est un peu comme maîtriser son carré, mais en allant vite. Poussez-vous, madame. Oh non, non, mais non, c'est une blague. Je crois que c'était la fin, en plus. Ah, oh. Je crois que c'était vraiment la fin. Je suis très déçu. Il faut aller vite. Il faut aller vite. Vite, vite. C'est pas grave. Il faut aller vite. Il faut aller vite. L'heureux aussi, elle allait vite. Oui, elle allait très vite, même. Elle allait très très vite. Aïe, aïe, aïe. Au secours. On prend ça? Ouais. Je tente pas la sauvegarde parce que je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que si je le fais, je vais me faire avoir. Poussez-vous. Oh, oh non. Tire par là. Oh non, elle l'a fait. Non mais... Et je crois qu'il y avait écrit tu ne peux pas lien d'âme ou j'ai rêvé. Oh non, dans les pics. Non, c'est bon, ça passe. Il faut aller vite. Ah ok, on est allé peut-être un peu trop vite là. Allez, on s'en va, on s'en va, on s'en va. Mamamamamam. Il faut aller... Non, non, c'est bon. Après le jeu est un peu permissif, le niveau d'eau il monte en même temps que moi je crois. Sauf à certains endroits. Genre là il monte d'un coup parce qu'il a compris que j'avais pas assez ce palier là. Je vais tomber dans le machin, là. Non, c'est... On va très vite. Alors... Non mais crash tam... Cette araignée commence à me saouler, mais d'une force...
Je suis quasi sûr que c'est la dernière en plus à passer. Mais c'est juste qu'elle tire que quand elle veut aussi, elle est pénible. Allez, en plein dedans. Et dans les pics. Voilà, elle m'a tellement énervé que j'ai perdu mon flow. Voilà, j'étais super heureux d'avoir ce pouvoir. Bon, je suis toujours vrai. Non, c'est pas grave, hein. Je vais mourir sur la pleur, sur la plante, fleur. J'allais dire la plante fleur, donc c'est la pleur. Pouet, pouet, pouet. Et on fait demi-tour et on double saut. La la la. La. On va vite, parce qu'il faut aller vite. Et c'est là. Bon, l'araignée, sans déconner, l'enfer. Hein. L'enfer de l'araignée, c'est elle. Regardez là. Salut, je suis l'araignée, je suis l'enfer. Ah, c'est bon. Ouais, c'est la fin. J'avais raison, bordel. Ah. Eh ben, c'est pas trop tôt quand même. T'as perdu les flots même, oui. Certes. Ça mérite de boire un petit peu de l'eau. J'attends de pouvoir rejouer. Quand je peux, je vais faire une pause de 5 minutes. De quoi faire une pause de 5 minutes. Et je reviens après. Et on continue jusqu'à quelle heure, hein. Je sais pas. Pour l'instant, je suis bien dedans. On m'en sort pas si mal. Cuvie ! Tombe dans le vide, vide, tombe dans le vide. Tombe dans le vide et je tombe. On tombe vachement, hein, cela dit. Et cuvie ! Je pense que c'est un très bon moment. Elle détestait la lumière, notre lumière. Et pourtant, la bonté d'Ori allait à nouveau sauver mon enfant. Oh. J'aime beaucoup la musique de cette zone, si je dis pas de bêtises. Elle est chouette. Allez, au revoir, hein. Et merci. Bon, il a dit merci à sa façon. Henri, je viens cru que le dinosaure de Kuro t'avait jamais arraché à moi. Megumo t'a sauvé, nous épargnant ainsi d'un destin tragique. Ben c'est quand même bien fait, sinon on n'aurait pas pu faire les deux autres donjons. Regarde, l'âme de Guinso a repris vie et les eaux de Nibel sont à nouveau limpides. Nous devons faire vite, il n'y a pas une minute à perdre. Occupons-nous à présent de l'élément des vents qui repose dans les profondeurs des ruines éplorées. Au cœur des bois brumeux se trouve une clé qui ouvrira leurs portes. Oh no, les bois brumeux. Oh no. Oh no. On va arrêter. Oh non, pas les bois brumeux. Bon, on fait une petite pause. Je mets l'écran de pause et je vous remets la musique, promis. Allez, petite pause.